triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc, je sais ce que vous allez me dire, Fred n'est pas là aujourd'hui, il a dû rester à Paris pour suivre l'Arès 18. C'est un week-end très chargé en MMA avec l'UFC 296, deux combats pour la ceinture. L'Arès 18, deux combats pour la ceinture. Et nous, nous sommes ici, en Pologne, à Gliwice, pour suivre au KSW le combat pour la troisième ceinture de Saladin Parnasse. Après avoir gagné la ceinture des moins de 66 kilos, la ceinture des moins de 70 kilos, il combat ce soir Adrian Bartoszynski, qui est sur une série de 14 victoires d'affilée au KSW, le véritable épouvantail de l'organisation. Messieurs, dames, on y est. C'est parti pour le vlog en Pologne. Bienvenue sur Globe. Parle d'elle-même. Merci beaucoup de nous accorder 5 minutes là pour Gong. Déjà, première question, comment tu te sens pour ce soir? Je me sens très bien, très confiant. Je suis venu ici pour ramener la victoire, rien d'autre. Le monde de rien et on va tout casser ce soir, moi et ça là. On sait que tu as déjà tapé Lucas Krajewski, là tu vas taper Sébastien ce soir. Ouais. Et peut-être le père bientôt, c'est quoi la prochaine étape? Non, je comptais à la sœur, mais bon. Ouais, non, mais en tout cas, tous ceux qui mettent devant moi et ça traîne mon chemin, je vais tous les éclater. Ouais. Voilà, parce que moi, je suis déterminé, je suis à fond et je m'entraîne tous les jours et je sais que je vais réussir. C'est quoi ton but là immédiat? C'est de gagner la ceinture au KS et de partir ensuite? C'est quoi? Non, je, dans ma tête, c'est pas partir. Tu veux rester moi, ici. Je vais m'implanter ici. Je suis les traces de ça là. T'es heureux ici? Ouais, je suis heureux. Ils sont super. Moi, je pensais que les Polonais, ils n'allaient pas aimer les Français ou quoi que ce soit. Mais pour le contraire, c'est un truc de malade, les fans et tout. Ils me kiffent plus que les Polonais, c'est un truc de ouf. Vraiment. Écoute, on souhaite le meilleur pour ce soir. Casse-nous. Allez, on va tout casser, les gars. Les amis, bonjour. Encore une fois, on vous avait promis de suivre l'événement depuis l'intérieur. On est dans l'hôtel des combattants. Venez avec moi, on va poser quelques questions à Adrian Bartoszynski. How do you feel about the fight of tonight? Czuję się bardzo dobrze. Wszystko poszło, cały proces tak jak powinien i jestem gotowy. How did you react when they told you that you might have to fight someone who is already double champ but in lower categories? No, byłem zaskoczony, ale to była dla mnie tak dobra informacja. Byłem bardzo zadowolony z tej walki, bo sam jej chciałem, ale byłem zaskoczony, że się na to zgodził. How do you deal with that risk of being beaten by someone who weighs less than you? Nie robi mi to na mnie wrażenia, bo z moim zdaniem Saladin jest najlepszym zawodnikiem pound for pound w KSW, więc to też nie sądzę, że
że jest słaby i czy to będzie jakaś bardzo łatwa walka. Przy kilkoma gramy są na moją korzyść, ale są też jest bardzo dobrym zawodnikiem. What is your plan for the future? Do you think that you want to stay in KSW or you want to live in other organization like maybe UFC, PFL or somewhere else? No, na razie moje plany są takie, żeby wygrać tę walkę i tam nie wybiegam jeszcze dalej. Na pewno jeszcze muszę tu zawalczyć kilka walk, a potem będę myślał. Na razie muszę przede wszystkim wygrać Celawinę, bo to jest najważniejsza walka dla mnie. Do you have one word for the French fans? Żeby oglądali, no będzie mi przykro bardzo, że muszę bić ich. No, ale taki jest sport, także no bardzo mi przykro, będę go traktował łagodnie. Yeah, we hope to see a good fight also. Thank you so much. C'est pas ouf. Ouais, c'est vraiment pas ouf. Dans le training room, on a l'adversaire de Wilson Varela qui est en train de s'entraîner, Sébastien Rajkowski. So you, what's your feeling about this win? I think I've won in a dominating style, and I couldn't imagine a better evening for me. Congratulations.
une patate de ce gars. C'est possible que j'oublie la meuf. On exclut le taxi retour d'Adrian Bartoszewski. Il est pas assez fatigué là. Performance exceptionnelle. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ce qui s'est passé? On n'a presque pas eu le temps de voir le combat tellement ça s'est passé rapidement, mais raconte-nous. Mais moi, je me suis dit, mais pourquoi il s'allonge par terre? Il m'envoie, il commence avec un high kick. Je savais très bien qu'il allait envoyer un high kick. Donc, ma main droite bien collée, concentré, il envoie un high kick direct. Je pense avec une bonne droite, mais la droite n'a pas bien touché. Il envoie un low kick, j'envoie un low kick aussi. Et j'ai vu une ouverture. C'est spécial à moi, le point de kick. C'est le kick plein fouet. Non, c'est plexus. Plexus. Ouais, vraiment. C'est quoi, tu coupes la respiration. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, il était nonchalant. Ouais. Du coup, il est vraiment très souple, donc ça passe. Je dirais, très bien. T'avais préparé ça, tu t'étais dit genre ouais que c'est... Ah non, c'est un coup que j'aurais mis tout le temps. Bah, on a vu d'ailleurs que le KSW avait annoncé leur venue à Paris, en France. Tu seras sur la carte. T'as une idée un peu d'un adversaire que t'aimerais affronter ou quelqu'un? Le premier mec que j'ai affronté ici au KSW l'année dernière, que j'ai perdu, Maciej Kaczyńsko. Ouais. Il est assis là-bas et en croise. Ok. Là-bas. T'as déjà envie de le faire? Voilà, depuis le jour où il est perdu, je veux dire, je dans ma tête. Il sortira pas tant que je serai pas battu. Et ce soir, du coup, c'est quoi le programme pour toi? Tu vas attendre. C'est la surprise. Ouais. C'est pour mardi. Ce soir, non, ce soir, Saladin déjà, sa victoire. Je suis tout cœur avec lui. Je vais tout l'avoir pour ma porte, je serai là présent. Et après, on va voir. Merci Fred de Gong. Merci les gars. Abonnez-vous sur la chaîne de YouTube Gong.
je vais le faire, je pense. Il a l'air chaud. Hein. On est avec un fan qui nous vient tout droit de Jean Lépin. J'imagine que t'es déçu non pas par la performance de Salahedine mais par le résultat du combat. Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot? Bah ouais, très déçu par le résultat du combat, mais la performance de Salahedine en vérité elle était incroyable, j'ai trouvé, parce qu'il a tenu 5 rounds. C'est un non-combat dans le sens où le combat a été neutralisé. Tu vois bien que la tête de Bartoszynski, elle ressemble à rien à la fin du combat. Là, il a dû faire du catch control, il a dû faire du clinch, etc. pendant 5 rounds. Donc en vérité, c'est une victoire sur le papier. Il a essayé de neutraliser tout le potentiel de Salah en l'amenant à la cage et en faisant un clinch. Si tu veux, il a gagné la ceinture du clinch, quoi. C'est... Le KSW vient d'annoncer ce soir justement sa venue à Paris le 6 avril. Tu penses qu'il va combattre qui? Et est-ce que tu penses que c'est sûrement son dernier combat au KSW? Bah, j'ai peut-être pas bien entendu, il a pas demandé à le recombattre à Paris. Moi, c'est ce que j'avais cru entendre. C'est ce qu'il a dit, mais est-ce que tu penses que l'organisation peut pousser ce combat? Est-ce que tu penses que ça va être autre chose? Est-ce que tu penses qu'il va défendre la ceinture des lightweight? Je vois mal Bartoszynski accorder la revanche, mais en tout cas, j'aimerais bien. Je pense que ça a pas trop d'intérêt dans le sens où si on a la V2 de ce combat, il a compris que ça marchait très bien comme ça. Salahedine n'a aucun intérêt à recombattre comme ça. Il ferait bien de faire un dernier combat, un dernier coup d'éclat et partir à l'UFC. Et qu'est-ce qui a fait défaut à Salahedine selon toi? Tu penses que sa vitesse n'a pas suffi? C'était quoi le poids de l'autre était trop important? La différence de poids est trop importante. Quand t'arrives à lutter avec un mec qui est deux catégories au-dessus de la tienne, il y a des trop grosses difficultés. Le gars, il pesait 10 kilos de plus. Il est un des gars qui sont dans sa catégorie de base et là, il l'a tenu pendant tout le combat. Ouais, et il avait mis KO 11 combattants avant Salahedine. Il avait seulement 2 décisions et c'est sa troisième. Il a réussi à l'amener au sol, mais après on a quand même eu peur pour Salah avec le coup de genou à la tête. On a quand même eu très peur. Pour moi, c'est quand même une performance exceptionnelle, même si c'est une défaite, c'était incroyable. Il a été clairement meilleur. Si on avait été à poids égal ce soir, ça aurait été clairement un combat pour Salah. Et en tous les cas, allez Salahedine. Allez Salahedine. Ramzan, bienvenue sur Gong. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. Le combat de Salahedine s'est déroulé hier. On est très content de sa prestation. Un petit peu déçu du résultat. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah pareil. Hein. Bah, on est tous contents parce que voilà, il n'y aurait pas tout le monde qui aurait accepté un combat avec ce buff, tu vois, de catégorie au-dessus. Donc le plus important, bah tout le KSW, toute la France, ils ont vu que ce qu'il a fait comme dégâts à l'autre. Donc c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le sport après. Qu'est-ce qui a manqué selon toi justement pendant ce combat? Il n'y a pas grand-chose qui a manqué, c'est juste voilà. L'autre il a changé sa stratégie, donc il voulait que lui mettre la pression. Bah, comme vous avez vu, il ne voulait pas accepter le combat. Il voulait pas... Je pense qu'il a neutralisé le combat quoi par sa lutte. Voilà, par sa lutte. Après il n'était pas impressionné, il n'a même pas amené une fois au sol. Il a amené une fois au sol Salahedine Parnasse alors qu'il était deux fois plus lourd quoi, tu vois. Donc c'était pas impressionnant honnêtement. Maintenant, Ramzan, on va parler un peu de toi. Tu combats le 20 janvier, j'ai cru comprendre, contre David Smilovski. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce combat? J'ai cru comprendre aussi que tu montais de catégorie, que tu allais passer en lightweight. Ouais, je combats juste uniquement pour ce combat-là, okay. En 70. Parce que voilà, j'ai peu de temps pour reperdre en 66. Il faut que je vois, faut que je comprenne un peu mon corps, parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas combattu. De février à novembre,
Bah, depuis tout ce temps-là, j'ai pris du muscle, j'ai pris du gab. Ouais. Donc mon corps, faut que je le fasse réadapter. Et voilà, ça va être un bon client en face, ouais. 10-1. Donc il a connu pas mal de défaites, il a pas mal d'expérience dans la cage. Donc on va voir ce que ça donne. Et le KSW a annoncé sa venue à Paris en avril. Est-ce que tu penses, toi, que tu seras sur la carte? Ouais, je vais être sur la carte. Ouais, et du coup, ça sera en moins de 66 ou... Moins de 66, je pense. Moins de 66, ok. Ouais, je pense. Ramzan, merci infiniment. On te souhaite le meilleur pour la suite. I don't got no patience, I can't ever wait. I've been trying to get it, running up all these digits. And I've been in the gym, I've been up doing minutes. Les gars, on se retrouve, on est au lendemain du combat de Salahidin. C'était un événement exceptionnel. On est évidemment déçu du résultat, mais Salahidin n'a pas démérité. Il a fait un combat incroyable contre un adversaire qui pesait 10 kilos de plus. On a en plus de ça Wilson Varela, qui lui, pour le coup, a fini au bout de 17 secondes. Sébastien Rajewski, coup de pied dans le plexus. On a kiffé l'événement. Merci infiniment au KSW. Abonnez-vous à la chaîne Gong, souscrivez, commentez, likez, tout ce que vous voulez. Et j'espère qu'on se retrouve pour un prochain vlog bientôt. A plus les amis.